Eh bien, salut tout le monde, c'est Paula 59 pour une nouvelle vidéo sur Minecraft PS3, comme vous le voyez. Donc aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour la survie difficile épisode 3. Si, ouais, c'est ça, épisode 3. Donc on va charger le monde. Je suis vraiment désolé pour la vidéo précédente de survie difficile, car le son cette fois-ci de ma voix était en avance comparé à la vidéo. Je n'ai pas compris pourquoi. Pourtant, j'avais bien mis un blanc au début exprès pour dire de l'avoir directement avec. Mais là, je sais pas du tout ce qui s'est passé. En gros, apparemment, YouTube a décalé la voix en fait en avant, alors que je l'ai pas mis en avant. Donc là bah, on s'était quitté à la tour, bah, à la tour, mais c'est même pas une tour, c'est à l'église des villageois des PNJ là, et on va tout simplement bah, attendre le jour, tout simplement. J'ai pas le choix, excusez-moi, j'ai pas le choix d'attendre le jour, à part si je rush, je sais même plus, par là je crois. Ouais, je crois que c'était par là ou par là, je sais plus. Bon, en attendant, on va regarder ce qu'on a comme stuff. Donc, on a tout simplement bah, deux épées en fer, une pioche. Ça, on l'avait trouvé tout simplement dans la forge qu'il y avait bah, dans le village. Du pain, ouais, ça va en fait. J'aurais dû prendre la carte en fait. Oh, il y a un squelette ici. Nous, en sachant qu'il faut qu'on aille à l'intérieur de ça pour récupérer du bois brut, n'importe quoi, un villageois qui se balade dans l'herbe, dans sa maison ici, en sachant qu'il faut qu'on récupère tout simplement du bois de sapin pour tout simplement continuer la maison. Là, tout de suite, eh ben, je suis un petit peu emmerdé car. Bah, car tout simplement, il n'y a pas de. Salut toi. Qu'est-ce que tu proposes? Ah, d'accord. Le prêtre propose de la glowstone contre de l'émeraude. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Très bien. Bon, bah, moi je retourne en haut. Ah, je sais plus ce que je disais. Merde. Saloperie de marchand, va. Ah oui, pour continuer la maison, il faut tout simplement bah, du bois de sapin. Aïe, tu piques toi. Voilà. Ta motte officielle. Mais rentre. Oh l'enfoiré, comment il m'a fait mal. Wesh. Bon bah on va attendre le jour tranquille bord. Hein. Et puis bah on va tout simplement se balader. On va tout simplement après se balader, on va attendre le jour. J'espère que le jour il va pas trop tarder, surtout. Donc vous voyez la forge est là en plus. Donc voilà. Du coup, je sais pas du tout quoi faire en attendant. Bah vous savez quoi, je vais peut-être vous faire une ellipse en attendant que le jour se lève, mes amis. Donc, enfin, en même temps, je vous ai dit que j'allais vous faire tout montrer dans cette série, même si c'est long comme ça à rien faire. Qu'il y a de la triche ou quoi, donc voilà. Donc, je ne sais pas du tout si je vais vous faire l'ellipse en fait. Au pire, on peut toujours attendre, hein, c'est pas trop grave. Bah, en fait, il y a moyen que je m'en vais, mais le problème c'est que bah, déjà, rien qu'en faisant ça, il faut que je saute ici. Je vais me casser les pieds. Et excusez-moi si vous avez entendu des claquements comme ça, c'est tout simplement mon chien qui se balade. Squelette là. Ouais, non, il y a trop. Enfin, il y a trop de mobs. Ah, si, il y a quand même beaucoup de mobs pour que je tente juste de courir en fait. Parce que je dois courir, mais par où, je m'en rappelle même plus. Donc, si c'est pour me perdre et puis me faire tuer, c'est pas trop la peine quoi. Je sais même pas où je dois aller. Normalement, c'est vers les montagnes. Donc, vers les montagnes, c'est là-bas ou là-bas? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Donc, les amis, vous savez quoi? Je vais quand même vous faire une ellipse pour cette fois-ci. Je vais vous faire une ellipse. Je vais attendre que le jour se lève. Et puis, juste après,
On bouge tout simplement. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Et re tout le monde, donc voilà, l'ellipse est passée, il fait jour, et puis bah on va sortir hein, tout simplement, on va en profiter qu'il fasse jour pour sortir. Même les villageois sont sortis, donc voilà, allez c'est parti. Nous allons bah, tout simplement un peu récolter du blé, tout ce qu'il faut. Donc je prends pas tout le blé, mais je prends juste le blé qui est tout simplement prêt à l'emploi. Voilà, tout simplement. Hein. Je m'amuse pas à prendre tout le blé. Car ça sert un peu à rien en fait de prendre tout le blé alors que il n'est pas poussé quoi, tout simplement. Donc ah oui, je voulais tout simplement vous remercier avant que de faire l'ellipse, je voulais le dire mais c'était un peu trop tard parce que j'avais déjà coupé le son de la voix. Je voulais tout simplement vous remercier énormément d'être aussi nombreux à me suivre. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes 300 quand même, 300 abonnés à me suivre. Ça fait vraiment très plaisir. J'espère en tout cas que ça vous plaît ce que je fais, car moi ça me fait vraiment plaisir de faire ça pour vous. Moi je devais aller par là. Voilà. Donc franchement ça fait vraiment plaisir. Donc actuellement avec 300 abonnés, je peux faire un partenariat avec Gamoniac. Gamoniac c'est quoi? C'est tout simplement un site pour les jeux consoles. Donc il propose une faille. Non, il propose pas une faille. Il propose tout simplement des jeux consoles avec des réductions et tout ça dessus. Ça, la nourriture, je vais le prendre. Tout simplement. Ouais, j'ai tout prendre. Allez, hop, c'est bon. Oh, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de trucs ici. Donc voilà, c'est un peu en gros tout ça. Tout simplement. Tombe pas dans le trou! Voilà, il est pas tombé dans le trou. Ouais, Gamoniac, bah, c'est tout simplement un site où qui vend des jeux ou trucs comme ça directement. Comment dire? Si je fais un partenariat avec eux, j'aurai des bons en fait. Des bons de réduction pour les jeux et tout ça, comme moins 40% et tout. En gros, à vous proposer. Mais en même temps, pour moi personnellement, je perds quelque chose. Je perds des trucs, mais quoi, j'en sais rien. Mais je sais que je perds quelque chose en faisant. Si je fais le partenariat Gamoniac. Je sais pas du tout. Faudrait que vous me dites dans les commentaires si vous préférez bah, tout simplement avoir, bien sûr, que je fasse le partenariat Gamoniac, car en même temps ça permettra tout simplement que je puisse faire des concours tout simplement. Ça oui, des concours je pourrais en faire du coup. En même temps m'améliorer encore plus grâce à Gamoniac peut-être. Ça je ne sais pas. Car avec mon partenariat que j'ai actuellement, eux au contraire ils m'aident à m'améliorer sur YouTube. Donc vous, ça vous le voyez pas, c'est un peu normal, hein, parce que vous n'êtes pas sur ma chaîne, tout simplement, vous voyez pas ce qui se passe dehors. Hein. Mais eux, ils m'aident à m'améliorer tout ça. J'ai des, on va dire, un sorte de programme pour s'améliorer à chaque fois. Et ça, c'est vraiment super d'avoir un partenariat comme ça pour ceux qui débutent. C'est vraiment pratique. Donc après, oui, c'est vrai que c'est pas français, c'est pas français, du coup c'est pas vraiment super, mais il faut savoir que même que c'est pas français, et eh ben ça vous améliore aussi en anglais. Ça c'est un truc que j'ai remarqué, moi je suis vraiment très nul en anglais, ça m'a amélioré vraiment. Maintenant j'utilise de moins en moins Google Traduction, si vous voulez savoir. Parce qu'avant, quand il m'envoyait un mail, j'étais toujours sur Google Traduction directement, je traduisais et tout ça. Que là maintenant, plus besoin, là franchement presque plus besoin. Ça m'a amélioré un petit peu. Oh, la haine marron. Ça m'a amélioré franchement et c'est vraiment pratique. Parce qu'à force de lire, de lire, de lire de l'anglais, bah, à force on le comprend tout simplement. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Si vous voulez que je fasse ce partenariat avec Gamoniac pour avoir des concours et tout ça,
des concours pour vous les abonnés bien sûr. Ou soit bah, tout simplement rester avec mon partenariat actuel qui m'aide à m'améliorer sur YouTube. Donc ça serait bien que vous me dites ça dans les commentaires de cette vidéo aussi, ça serait vraiment pratique. Au moins comme ça je pourrais le savoir pour prochaine vidéo que je vous dirai ma réponse tout simplement si je le fais ou pas. Là maintenant il faut que je recherche d'où je viens. Ça va pas être une partie de plaisir parce que je suis perdu en fait. Je suis totalement perdu. Je me souviens pas qu'il y avait de l'eau ici, donc c'est par là. C'est super. Je suis perdu. Aïe, je me casse les tibias en même temps. Donc mon personnage il se traîne un peu là. Pourtant je suis en train de courir, mon perso il se traîne. C'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave. On va avancer hein, tout simplement. J'ai pas d'autres solutions à faire. On va pas non plus stationner ici. Du coup, bah on va avancer. Du coup, on va avancer où? Parce que quand je suis arrivé, j'avais vu. Hein. À mon avis, ouais, je suis passé par la forêt. Hein. À mon avis, je suis passé par la forêt. Mais je suis passé par la forêt et j'ai pas vu ces cochons. Ça m'étonne. Passer par la forêt et ne pas voir les cochons là. Je sais pas. Bon, on va voir quand même, c'est pas grave, on va aller voir. Au pire, si je me perds, bah tant pis, hein, je me perds. Hop. On va passer par là. Ah bah si. Ah bah si, c'est par là. D'accord, très bien. En fait, j'étais pas vraiment loin. J'étais pas loin du tout. D'accord. Bah en fait, oui, j'y suis, les amis, si vous voulez savoir. Donc après, ça va faire quand même une semaine hein, que j'ai pas joué. En sachant que là, j'ai que 1 heure devant moi pour jouer. Pour faire des vidéos, bien sûr. Parce que je m'amuse pas à jouer comme ça et puis de vous laisser sans rien. Du coup, là, je vais faire 2 vidéos pour pour aujourd'hui. Et re tout le monde, désolé pour la coupure et désolé pour le chien que vous avez entendu. Donc cette fois-ci, je vais me dépêcher parce que vous voyez, il fait nuit. Je sais plus par où j'allais. Mais on va se dépêcher à rentrer car là, j'ai pas envie de me faire manger en fait. Et je sais plus où que c'est. Youhou, ma maison, où est-ce qu'elle est? Où est ma maison? Youhou. Je vais me mettre en hauteur dans les arbres. Je serai tranquille. Ah, elle est là. Wouhou! Elle est là, ma maison. Regardez. On voit le bois de la maison. Aïe! Ouh, ça fait mal. Bon, faut que je cours. Surtout, faut que je cours. Une araignée. Dégage l'araignée. Un creeper. Dégage le creeper. Allez, vite, 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 vite. Allez, mais avance! Avance! Allez! Je vais me faire manger. Je vais me faire manger. Je vais me faire manger, je vais me faire manger, je vais me faire manger, je vais me faire manger. Oh putain, c'est le prix de squelette. Il m'a fait peur. Le squelette m'a fait peur, le squelette m'a fait peur. Aïe. Le squelette m'a fait peur et toi. Aïe. Oh putain, il m'a fait un 360 lui. Voilà, lui il est mort. Le squelette m'a fait un 360, j'ai rien compris. Un lit. Whippy. Voilà, on passe la nuit tout de suite. Et puis, on va faire ça. Ouh! Ouh! Oh oui, il y avait du monde quand même. D'accord, il y avait beaucoup de monde. Hein. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Même ici d'ailleurs, il y avait un zombie ici. Donc, on va faire ça. Il me faut le bois, celui-là. Putain, tout ça juste pour du bois, quoi. Je suis vraiment pas bien, moi. Hein. Faut que j'arrête. Hein. Il faut vraiment que j'arrête. Tout ça juste pour du bois, c'est vraiment pas normal. Donc voilà. Tout ça pour du bois, tout ça pour du bois, tout ça pour du bois. C'est n'importe quoi. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, on va finir cette maison. On a failli mourir juste pour du bois. Super. Hop. Allez. J'espère que j'en aurai assez parce que moi j'y retourne pas. C'est trop loin.
Hop. Hop. Oups. Si je mets pas celui-là, ça peut faire. Ah, ça fait du bien. Plancher est fini. On va faire des portes. Les portes, elles sont là. Toc et toc. Voilà. Il manquera plus qu'à faire les fenêtres, mais j'ai pas de sable. Et après, il faudra l'améliorer, retirer les blocs pleins et puis mettre des escaliers à la place. Ça va faire mieux. Donc, on fera ça dans un prochain épisode, les amis. Là, je vais vous laisser sur ça. Tout simplement. Et je vous dis à la prochaine. Allez. Bye tout le monde.